J'ai enfin terminé. Tout est terminé. Tout est prêt. Enfin, je peux commencer ma nouvelle vie. Là, il est quelle heure? Il est 2h du mat. Faut que je souffle. Ah oui, là, je vous suis mis avec mon nouveau Canon, avec micro. On est plutôt bien. C'est sympa. C'est quand même très sympathique. J'espère que vous allez bien, nous voici dans ma nouvelle demeure. Ça fait bizarre. Ça me fait tellement bizarre de vous filmer dans un autre appart et dire que c'est chez moi, dans un nouveau lit et tout, genre what the fuck. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé comme ça à ma caméra spontanément. Ça fait du bien. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie ces derniers temps. Dans mon cerveau aussi. Peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué, hein. On va dire que je suis sur la bonne voie. En tout cas, j'espère que vous, ça se passe de votre côté, que votre été se passe bien, que vous soyez en famille, entre amis, que vous kiffez, c'est le principal. Moi aujourd'hui, c'est un jour particulier, parce que je vais retourner dans un pays que j'ai jamais fait. Ou du moins, peut-être que je l'ai fait quand j'étais petit, mais je m'en souviens pas. C'est mon deuxième pays, l'Égypte, c'est le pays de mon père et tout, donc on va aller voir le pays de mon père, ça fait très longtemps. Et on fait ça en plus avec mes frères et tout, donc ça va être cool. Là, faut que je me lève, faut que je me prépare, et let's go, hein. Et puis c'est parti, hein. Bien l'étude d'un cas, l'étude d'un Chloé. Très bientôt, très bientôt. Hello, me voilà à l'aéroport qui m'a rejoint. Ça fait tellement longtemps qu'ils t'ont pas vu. Par contre, commence pas à faire la bête, tu fais quand même le bagage. Du coup, ça va être sa première fois en Égypte. Moi j'avais été, mais j'étais tout petit, je m'en souviens pas. Donc en vrai, c'est la première fois pour nous deux, même pour Ryan. Moi j'ai fait une escale là-bas. Lui, il l'a jamais fait. C'est grave la mode. Wesh, bien ou quoi l'équipe? En direct avec le... Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Wesh, c'est trop... En fait, je fais plus de vidéos parce qu'il veut plus me filmer. C'est chômage. Par ça, bah écoutez, premier jour en direct de l'Egypte, bien arrivé hier. On est arrivé hier, on était explosé. Je me suis réveillé ce matin, j'ai fait du sport. Eux, ils ronflaient. J'ai fait du sport, petit déj. Là, il est quoi, midi? On va aller chill un peu à la piscine. Louis, ce connard, il dort, je vais aller réveiller. Je paye des petits déj, des formules, petit déjeuner compris. Il les respecte même pas. Vous êtes tellement louettes. Il est midi. Il est midi. Il est midi, il se réveille pas. Moi, je paye des hôtels. Les petits déjeuners, les formules tout compris, non, et ils arrivent à 13h. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas. Ouais. Voilà, c'est qu'aujourd'hui. J'espère bien pour toi. J'espère bien pour lui. La vue de notre chambre. Sympa, hein. Alors, je suis dans un hôtel plutôt cool, dans le nouveau quartier Héliopolis. C'est sympa de ouf. L'hôtel est très beau. C'est le Concorde Hôtel. Je trouve que c'est abordable pour un 5 étoiles. Par contre, ici, je vous le dis, personne n'a de masque. Genre, on dirait qu'il n'y a pas de Covid. Tout le monde est genre sans masque. Le personnel, vite fait. Mais c'est tout. C'est super sympathique. On a de la chance, il n'y a pas grand monde dans la piscine. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Douai, tu fais quoi? Je mets de l'huile bronzante. T'as dit quoi? Je mets de l'huile bronzante. Mais le truc, il marche pas pour lécher de la merde. Si, il marche. Jamais content, tout le temps grincheux. T'es yé, wesh. J'appuie, après, ça veut pas appuyer. En fait, c'est le truc, il est un peu rigide. Faut que tu ouvres le pot, tu mets tes doigts et tu te crèmes. Ouais, toi, t'es marrant, toi. Ça, je suis marrant. T'es grosse lequette, là. Quand tu restes longtemps au soleil, tu fonds. Une bougie. Je vais te gifler, là, t'as de voir. Ton corps de 60 ans, là. On dirait pas, il a 60 ans? Voilà, il est comme ça. T'as un corps de lâche. Notez son corps sur 20. Y'a quoi, frérot? Ça fait du bien, hein. De parler, wesh. Peut-être qu'il est timide. Mais tu veux dire quoi? Voilà, je prends tout ça depuis tout à l'heure, c'est un mec tranquille, un monologue. Il n'y a pas à faire les timides, wesh. Voilà, il fait des monologues tout seul, il faut qu'on parle. Voilà, ouais. Bah, justement, j'attends que vous parlez. Je sais pas, pose des questions, dis-nous nos ressentis sur la chaleur. Voilà, bah, je sais pas, frère. La caméra, elle est allumée, toi, ferme ta gueule parce que t'es, déjà, ça fait, je sais pas, des années, frère, il a grandi sur YouTube, il sait toujours pas faire une intro. Mais fais-nous des cuisses.
T'as vu comment c'est un semeur? Voilà, c'est un semeur le poteau. Ah, c'est juste voilà le poteau. Sur les cicales, très restreint. Sur la tête d'Oham, vous savez, il se prend pour quoi? Il se prend pour un rappeur. Je crois que c'est un rappeur. Hein. Vas-y, fais des raps. Vas-y, rap. Fais des raps. C'est pas faire des raps. Hein. C'est pas faire des rappels. Vous avez vu comment c'est un semeur? Je vous ai dit, c'est que dire semeur, poteau, voilà. Non, parce que le mec, en fait, depuis l'heure, il a le son contre nous. Voilà, il m'insulte. Pourquoi tu m'insultes? C'est même pas faire un TikTok, c'est même pas faire des snaps. Il a grandi dans les réseaux sociaux, il sait pas faire des stories. D'accord, oui, il sait pas faire des stories aussi. En plus, au pire du pire, il est parti dans la avec son téléphone dans l'eau. Premier jour, il met son téléphone. Il saute avec le téléphone dans les poches. Tu vois quoi, frérot? Je suis pas t'es drôle ou quoi? Ça te gros plomb. Voilà, il se dit que ça. Voilà. Il dit que ça. Voilà. C'est bon, il sort de l'eau, il s'est vexé. Voilà, il s'est vexé. Il s'est vexé. Voilà. Gênant, voilà. Toutes les vacances, c'est ça. Parce qu'un grand frère. Toutes ces vacances, c'est ça. Mais quelle aigri. Je ne le supporte plus. Il fait que chat neuf. Ça fout la haine. Il fait genre une chaleur. Il fait très très chaud. C'est la clim, ça. Mais jamais de ta rire. Là, on a un concours. Ce soir, on va aller manger au restaurant. C'est au centre-ville du Caire. On est parti manger dans un restaurant marocain. Je sais pas pourquoi. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas tester. Apparemment, il est super bon. On a pris une table juste au bord du Nil. J'avais une question. Apparemment, sur le Nil, il y a des crocodiles, c'est vrai? C'est totalement faux. C'était à l'époque des pharaons. Je viens de briser un mythe. Voilà, pour tous ceux qui savaient pas. J'avais toujours des doutes. On a pris des petites salades et moi j'attends un couscous. La qualité elle est bancale. Alors c'est bon? C'est très bon. On est en Égypte, on mange spécialité marocaine. On a absolument rien compris. À part ça tout va bien. Mais on voulait tester. Un tagine, t'as mal à la tête, un couscous, t'as mal à la tête aussi. On est en Égypte, on prend des plats marocains. Qui c'est qui a rien compris? C'est nous! Mais très très bon, excellent. Donc la palmerie au Sofitel du Caire. Pour les bonnes adresses. Et je suis calé là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, première fois de ma vie, je vais aller voir les tours Eiffel. Les pyramides. J'ai hâte. Ça va être une dinguerie. C'était mon rêve de les voir. Je les ai jamais vus. On est en direct là, on va visiter les pyramides. Bien chaud. Merci. Ma fiche haga gariba, yani wallah. Il veut toucher là-haut, il veut faire la photo des touristes. Voilà que t'es handicapé, t'es pas fait. Ok, Den, vas-y, Den. Tiens, va, je vais te guider. Vas-y, guide-le. En direct des pyramides, avec ses phénomènes. Vas-y. Il est trop petit, mais il est bête, tu peux lui. Français, tout le monde l'a fait, avec toi, t'arrives pas, voilà, trop nul, voilà. Ok, mais va. Lui, c'est un bon, lui. Mais faut choisir un bon angle. J'ai pas le droit de garder mon trépied, je dois garder uniquement l'appareil dans les mains. C'est-à-dire que je dois enlever le trépied, le micro, parce que sinon ils pensent qu'on est des journalistes. Okay. Non, ça fait tchèp un peu, mais... En fait, c'est la plus grande celle-ci. J'ai envie de guider. Et par contre, il fait trop chaud. Il fait trop chaud par contre. Hein. Waouh! Oh, c'est de la dinguerie! Ils sont en train de se disputer. Allô, c'est pas le moment, les gars. Ils sont vraiment en train de se grailler. Ils se disputent. Le chameau, il arrête de m'énerver. Ils se disputent en fait. Mais en fait, le chameau, il met des patates au mien. Kolo tamam. Bigri? Ma'amin?
مع الجمل؟ اه انت عبيط انت خايف انا خايف يا عم انا مش هنقدر انا عاوز انزل انزل دلوقتي Imaginez avant, ils étaient sur les dos des chameaux, genre à l'époque des compagnons et tout, du prophète sallam. Ils étaient sur des chameaux comme ça, dans le désert. Comment ça descend bien vite, wesh, wesh, wesh. Wesh, imagine, ils glissent. En tout cas, c'est impressionnant. Ça, c'est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Je sais pas vous, mais moi, ça me passionne. C'est incroyable, c'est une dinguerie. C'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Tu viens, tu visites les pyramides, tu découvres le patrimoine dont ils ont hérité ici. Là, on est rentré dans une pyramide, regardez comme c'est bas. Je marche limite accroupi. Ça c'est le tombeau d'une momie qu'ils n'ont jamais retrouvé. C'est une dinguerie. Je crois qu'il y a des chemins ici. Vraiment tout petit. Fallait que tu sois parce qu'il y a Assalam. Assalam. Regardez là, là en fait c'est genre escalier. Attendez, je vais vous montrer. C'est genre comme un. Aïe. Incroyable, aucun regret de l'avoir fait, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est trop stylé. On va aller se laver, se préparer et go. Bon, petit outfit du jour. Nike Dunk Low. Ça, c'est un t-shirt, un genre de polo ouvert que j'ai pris chez Weekday. Le short aussi, le short en jean Weekday. Petite sacoche Prada. On est bon, hein. Allez, on y va. Bon, le mec, j'ai volé sa caméra. Oh, la D, comment ça se fait? C'est fou comme ça. On va visiter un truc, un quartier, ça s'appelle Downtown. C'est pareil, il y a là les trucs bien, tout ça. C'est-à-dire, on va vous dire comment c'est. Bon, j'avais complètement oublié qu'on pouvait pas filmer ce qu'on voulait en Égypte. Du coup, quand je suis arrivé à Downtown, bah, j'ai pas pu filmer. Donc, j'ai filmé ni Downtown, ni Sit Down, ni rien du tout. Du coup, on a fait un petit tour à Downtown. C'est stylé, ça ressemble un peu à Val d'Europe. Et après, on a été manger au restaurant à Moxie. De toute façon, il fait nuit hyper tôt, donc on avait super faim. On a pris en entrée, on a pris des tortillas, des shrimps et des rolls. Bon appetito! Merci. Ils ont des bonnes restos ici. Faut trouver les bonnes adresses, mais question resto ici, t'es servi. On va goûter les crevettes. Avec la sauce, avec la sauce. T'as besoin. Avec de la sauce. C'est bon. C'est bon ça. Ouais. Excellent. Moxie le restaurant. Au Caire. Garden 8. Des pâtes au pesto. Petite pizza. En fait, moi, les entrées m'ont calé, du coup, j'ai pas pris de plat. Et là, on est sur des pâtes au saumon. Là, je l'ai vu comme ça. Mais là, c'est un beurre. Je me rappelle, tu ne rends pas. On va bien voir. Moi, je sais pas déjà. Viens nous voir. Après. Non, maintenant. Moi je veux pas, Non, moi je veux pas. Ça y est, on s'est préparé. Sort de la douche, tout frais comme d'habitude, eux deux qui se chamaillent. Ça change pas. Ils sont insupportables, wesh. Des pères, hein. Ils sont plus lourds que mon navire. C'est bien gros, c'est énorme. De blague, t'as peur.
Dis-moi que t'as peur, pas peur, peur. Venez, on a nos outfits. Bon, moi j'ai mis une petite chemise, voilà, avec des petits motifs et tout. J'ai mis un jean, une petite paire de Jordan. Vous en pensez quoi? Vas-y, Louis, à toi. Notez son outfit. Ah, tso bien habillé, tso stylé. Maillot Chelsea. Ah, tso stylé. Floqué numéro 7. Maillot Chelsea, floqué. Et Lil Way. Bah ouais. C'est lui. Oh là, c'est de sa faute. Oh, anecdote. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit. Ça va pas être dans la vidéo. Raconte pas ta vie. Voilà, raconte pas ta vie. Tu viens, tu racontes ta vie. Voilà, c'est pas. Casse-toi tes grosses perles là. Ok, bref. Donc là, on se colle des short Dior. Petite Jordan. Aïe aïe aïe. Il faut ça. Ça saute style. Il faut ça. Saute flow. Saute de flow. Allez, danse comme un emoji. Allez, vas-y, danse. Là pour ce soir, on est parti prendre l'apéritif au Marriott Mina House, un superbe hôtel. Bon, on est arrivé un peu en retard. J'ai réussi à prendre quelques photos avant le coucher du soleil, mais en gros, ça donne ça. C'est super beau. C'est super beau. On a commandé des petits médias, des trucs libanais. Voilà. Super beau, genre le cadre est tue. Coucher de soleil, ça, incroyable. Bon, bonne nuit. It's the last night in Cairo. So tomorrow, we're going to Alexandria. You know Alexandria? Yeah, pig. A big pig. Yeah, Nilkel. C'est moi, yeah, pig. Yeah, pig. Ça a été un plaisir de vous partager ce vlog au Caire. Je vous dis bonne nuit. Je vous dis bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé regarder ce vlog. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous le filmer avec ces énergumènes. Hola chiquiti, hola chiquiti. Ciao l'équipe. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Merci. Bisous. Ciao. I'm in Alexandria. Miskin m'a vu, il a pleuré et tout. Il a eu des larmes. Peut-être qu'il va beaucoup embrioler. Le mien, il est un peu sur la tête. Il va bronzer un petit peu.